Dominicain au Rwanda. Méditation du samedi dans l'octave de Pâques. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Nous concluons l'octave de Pâques. Les disciples sont maintenant habitués aux fêtes de la résurrection. Maintenant, c'est le moment de les envoyer pour annoncer ce qu'ils ont vu. Jésus ressuscité qui vivra jamais. Après l'apparition à Marie-Madeleine, l'évangéliste Marc en rappelle deux autres. L'une est à identifier avec celle des témoins d'Emmaüs. L'autre est accordée aux 11 témoins qui ont mangé et bu avec Jésus après sa résurrection. Cette apparition avait pour but d'annoncer les disciples de nouveau à croire au ressuscité, car ils étaient habités par l'incrédulité mêlée de la peur due au fait que le Seigneur est mort d'une mort atroce. Plus tard, ils croiront et se rendront à la mission de Jésus, annoncer à leur tour la bonne nouvelle du ressuscité au monde entier, à tous les peuples, car ils avaient désormais toute assurance que Jésus est ressuscité. Ils l'avaient touché, regardé et mangé avec lui. Ce qui les a amenés à croire vraiment à lui, qu'il vit à jamais. Ils iront à la mission pour trois raisons. D'abord, pour agrandir le royaume de Dieu dans le monde par la parole et les signes. Puis, pour aider la création dont les disciples font partie à répondre à ce pourquoi Dieu l'a faite, à savoir sa gloire. La troisième raison, c'est pour annoncer qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le disciple de Jésus aujourd'hui, c'est nous, l'ensemble de tous les baptisés. C'est en nous qu'il donne la mission pour être sa langue, ses pieds, ses bras, sa vie auprès des hommes, surtout auprès de ceux qui ont le plus besoin de la joie de la bonne nouvelle. Jésus nous envoie auprès de nous-mêmes pour retrouver plus d'espérance et convertir notre vie en expression d'amour de l'Eucharistie et de l'Évangile, afin de rester dans l'unité des enfants de Dieu. Il nous envoie ensuite témoigner de lui auprès de nos frères et sœurs qui sont privés de leurs droits et de leur dignité. Pour ceux qui sont opprimés par l'injustice de toutes sortes, notre mission est de crier justice. À ceux qui sont écrasés par la pauvreté et la faim, nous sommes envoyés partager du pain. Ceux qui sont affligés par la misère, comme la maladie qui les fait souffrir, nous sommes envoyés les consoler et les soutenir. Pour ceux qui sont culpabilisés par le manque de pardon et qui tombent au bord du chemin, nous sommes envoyés promouvoir le pardon, la réconciliation, la fraternité et la solidarité. Voilà pour nous une belle façon de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Être proche de ceux qui sont loin de nous et de Jésus, sans être loin de ceux qui nous sont proches, incluant toute la création de Dieu qui doit être conservée et préservée. Alors, nous serons tous ensemble dans la joie du ressuscité, car nous l'aurons tous entendu, touché, regardé et connu dans nos vies.